Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo pour notre thème de notre colo en commun du mois de mai. Si vous ne savez pas ce qu'est le colo en commun, c'est que à tous les mois, je lance un thème et ensuite, si vous avez envie de participer, vous faites un coloriage sur ce thème. Et ensuite, quand vous avez terminé votre coloriage, vous venez sur ma page Facebook. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Vous venez sur ma page Facebook, sur la publication ancrée, je fais toujours une photo avec le thème. Et quand vous avez terminé votre coloriage, vous n'avez qu'à poster votre photo en commentaire. Maintenant, à tous les mois, j'ai beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre tout de suite. Vous pouvez faire du Disney, du hors Disney, du mystère. Vous faites le nombre de coloriages que vous voulez. Vous voulez en faire un, vous en faites un. Vous voulez en faire 10, vous en faites 10. J'exagère un peu, mais vous voyez le genre. Je ne vais jamais vous dire pas plus que deux coloriages. Non, non. Si vous voulez en faire deux, vous en faites deux. Vous en faites trois, quatre, cinq, c'est à votre choix. Et vous le postez en commentaire. Et comme ça, les gens qui viennent sur ma page Facebook et qui participent aussi à l'événement, ben c'est le fun de voir les coloriages de tout le monde. Le thème sera du 1er mai au 31. Attendez, janvier, février, mars, avril, mai. Oui, 31, pardon. Donc, du 1er au 31. Si vous n'arrivez pas à faire le coloriage et à le terminer à temps, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. C'est juste une date que je donne comme ça, juste parce qu'après le 31, je change de thème. Mais si vous l'avez terminé après le 31, mais c'est pas grave. Vous venez sur la page, vous venez dans l'album avec le thème du mois et vous le postez quand même. Il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un concours, c'est juste pour le fun. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Ensuite, bon, j'ai dit mystère, hors mystère, Disney. La date, c'est juste pour une période, c'est juste pour vous dire que le thème est du 1er au 31. Mais comme je dis, si vous le terminez en retard, c'est pas grave, vous le postez quand même, il n'y a aucun souci. Ensuite, qu'est-ce que je dois dire aussi? Oui, n'importe quel niveau peut le faire. Que vous soyez débutant, que vous coloriez depuis des années, et que vous êtes expert, ça ne change rien. Vous pouvez participer, même si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas. Soyez pas gêné de poster votre coloriage, on ne juge pas. On a tous été débutants un jour et c'est juste pour le fun. Donc, ce mois-ci, le thème, parce que oui, j'ai terminé mon blabla, on m'a suggéré il y a un mois ou deux, je pense, de pas simplement faire un thème, mais de donner un petit défi. Et j'ai pensé à ça et c'est une très très bonne idée. Et ce mois-ci, le thème va être en même temps le défi, en fait. Le thème, c'est pas de la bonne couleur. Et je m'explique. Vous devez colorier, peu importe le coloriage que vous choisissez, au moins un item dans votre coloriage doit ne pas être de la bonne couleur. Je m'explique. Par exemple, Stitch, il est bleu à la base. Si vous voulez colorier Stitch, vous devez le faire d'une autre couleur, pas de la bonne. Lui, il est bleu, donc vous le faites rose ou jaune ou Dumbo, un petit éléphant. Il est gris. Si vous voulez colorier Dumbo, vous le faites vert. Vous voyez le genre? Faut pas que ce soit. C'est pas obligé que tout le colo soit pas de la bonne couleur. Mais il doit y avoir au moins un élément dans le coloriage qui n'est pas de la bonne couleur. Par exemple, si vous coloriez de l'eau, bon, ici on a de l'eau, au lieu de faire de l'eau bleue, vous pouvez faire de l'eau rose. Vous voyez, genre, je sais que pour certains, ça va être un vrai défi parce que il y en a qui ont de la misère à colorier des choses qui ne sont pas de la bonne couleur. Par exemple, ici, on a des feuilles. Ben, moi, j'ai toujours tendance à colorier mes feuilles vertes, évidemment. Donc, si je voulais colorier un de ces dessins-là, je devrais faire des feuilles qui ne sont pas vertes. N'importe quelle couleur, jaune. Non, attendez. OK, on va pas trop compliquer parce que des feuilles jaunes, ça existe à l'automne, mais vous voyez le genre. Vous faites les feuilles roses ou vous les faites mauves ou une petite souris, vous la faites d'une autre couleur que gris. C'est juste ça le défi, le thème en fait.
vous devez faire, dans votre coloriage, vous devez avoir un élément qui n'est pas de la bonne couleur. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. C'est plus compliqué à expliquer, en fait, qu'à faire. Attendez, j'essaie de trouver un exemple. Un lion, par exemple, un lion. Un lion, c'est orangé, beige. Ben, si vous faites ce lion, vous le faites pas orange. Vous le faites, je sais pas moi, rose ou rouge ou mauve, violet. Vous voyez? C'est juste ça. C'est très, très facile, en fait. Ça prend juste un peu d'imagination. Comme le ciel ici. Ou l'eau. Vous la faites d'une autre couleur que bleu. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Je ne sais pas si vous allez aimer ce petit défi. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Moi, j'ai peut-être une idée de celui que je vais faire. J'en ai repéré un dans le Flora. Et qui me tente. Et voilà, je tombe dessus en plein dessus. Donc, cette petite page me tente énormément. Et je pense que le petit lapinou va être bleu ou rose ou violet. Je ne suis pas encore décidée. Mais il va avoir une couleur qui n'est pas normale. Qui n'est pas de la bonne couleur. Voilà. Si vous voulez faire tout le coloriage avec des couleurs qui sont pas de la bonne couleur, vous pouvez, mais en fait, pour que ce soit moins compliqué, là, un élément du coloriage qui ne doit pas être de la bonne couleur. Ah, regardez, si vous faites des abeilles, j'ai vu un dessin avec des abeilles dans le... attendez. Je vais avoir le parfait exemple. C'est dans le Worlds Within Worlds de Kirby Rosanne, son nouveau livre. J'ai vu des abeilles. Allez. Voilà. Ici, c'est plein d'abeilles. Normalement, on les ferait noires et jaunes. Eh bien, si je décide de faire ce coloriage, je mettrai les abeilles d'une autre couleur, n'importe quelle couleur, mais pas jaune et noir. Vous pouvez garder le noir, mais vous changez la ligne jaune, vous voyez? Donc voilà. Je pense que mes explications sont quand même assez claires. C'est pas non plus trop compliqué comme thème. C'est pas de la bonne couleur. Voilà. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Je suis super excitée et curieuse de voir les coloriages que vous allez faire pour ce thème. Parce que c'est vrai que souvent, on reste dans les vraies couleurs. Et là, je suis trop contente, trop excitée à l'idée de voir qu'est-ce que vous allez nous inventer. Parce que vous avez des super idées parfois auxquelles j'aurais jamais pensé. Donc voilà, mes amis. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Ça m'aide énormément et ça me fait super plaisir quand vous partagez ma vidéo. N'oubliez pas mon petit pouce bleu à la fin de la vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez essayer de participer. Si vous me dites que vous participez et que finalement vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si le thème vous inspire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.